Comment Claro va nous permettre de lire les livres en langues étrangères, en anglais ou en espagnol par exemple. Nous allons déjà voir en anglais. Dans Claro, donc, il faut aller dans Paramètres, puis dans les voix, aller choisir la voix anglaise qui nous intéresse, ou la voix d'homme ou la voix de femme. Ensuite, on clique sur OK. En bas de PDF Viewer, nous allons sélectionner la page. 38. Et ensuite, une fois l'outil de sélection bien sûr choisi, venir effectuer cette sélection. This man is Scottish. He's from Edinburgh and his name is Alistair. La lecture est immédiate après sélection. Maintenant, pour l'espagnol, nous allons voir comment effectuer ce changement de langue et le réglage de la vitesse. Donc, toujours avec l'outil paramètres, nous allons chercher la voix espagnole. Il y a toujours la possibilité d'une voix masculine ou féminine. Et également la possibilité de tester la voix. OK. On choisit la page. 50. Et ensuite, on effectue la sélection du texte. Como todos los días que tiene colegio, Juan se ha levantado esta mañana a las 8 menos cuarto. Juan comprende que tiene que vestirse rápido, desayunar bien, lavarse, hacer la cartera, no olvidarse nada importante. On s'aperçoit alors que la voix et la lecture est trop rapide. On retourne dans paramètres. Il y a possibilité en utilisant le bouton de vitesse de le réduire. OK. Et on réeffectue la sélection du texte. Como todos los días que tiene colegio, Juan se ha levantado esta mañana a las 8 menos cuarto. Juan compre que tiene que vestirse rápido, desayunar bien, lavarse,